J'avais pourtant insisté. Putain, mais débarrasse-toi de Gunther, le plus vite sera le mieux. Mais Tata Rosa, elle était pas de cet avis, quoi. C'est pas facile d'effacer 15 ans de vie commune. Faut dire que son Gunther, bah, c'était quelque chose, quoi. Puis moi, bah, je répétais en boucle sur tous les tons, mais Tata, putain, il est presque aveugle, il a le cul rouillé, puis il bave sur le tapis. Mais rien à faire, hein, elle voulait pas. Cela dit, elle avait bien fait, hein, Tata Rosa, hein, parce que Gunther était désormais mon laissé-passer en ces temps de confinement. Sortir le toutou à Tata, c'était le sésame pour quelques minutes d'air pur, d'un peu de vie sociale. Bon, alors j'ai très rapidement changé mes habitudes, hein, au lieu de m'installer au comptoir de la chope désormais fermé. Je commençais la journée par 45 minutes de vélo d'appartement. Putain, bordel, si on m'avait dit qu'un jour je ferais du sport pour chasser les calories. Et puis à 14h, bah, je me pointais chez Tata Rosa pour récupérer Gunther. Alors Gunther, c'était un vieux bulldog victime de myélopathie dégénérative. L'arrière-train paralysé. Alors ma tante m'avait demandé d'équiper le clébard de petits trous à l'arrière-train pour que, comment dire, pour que l'avant-train il serve au moins à quelque chose, quoi. Alors Gunther, il avait fière allure avec sa prothèse que j'avais bricolée à l'aide de pièces récupérées sur un vieux landau. Alors j'avais gardé le même trajet qu'avant le confinement, alors le décrire serait c'est aucun intérêt. Il faut juste savoir qu'il passait fatalement devant la chope et voir le troquet fermé en ces jours sombres, je vous jure. Ça me faisait un sacré nœud dans le ventre. Hein. C'est comme s'il n'y avait plus de vie, plus de bruit, plus rien. Alors je m'arrêtais devant. Je me surprenais parfois à dire à Gunther bah ouais, bah c'est là que je voyais les copains. C'était avant. Il me regardait comme s'il avait compris. Parce qu'il n'était pas con, chien. Hein. On sentait qu'il avait du vécu. Alors je le ramenais tristement à Tata, puis je finissais la journée du mieux que je pouvais en écrivant pour Liberté Hebdo des chroniques culturelles que personne ne lirait sur des spectacles qui n'existent plus. Enfin, c'était l'inutilité totale, l'effondrement narcissique. Un après-midi ensoleillé, passant devant le rideau de fer de la chope, le klebs s'arrêta et renifla bizarrement. Et j'entendis alors un bruit qui m'était quotidien, celui des vers qui s'entrechoquent. Alors, je peux d'abord un mirage sonore. Hein, bah, faut dire que la binouze de 16 heures avec les copains, ça me manquait sacrément. Alors, je tendis l'oreille. Pas de doute. Il y avait de la vie dans le troquet. Alors, discrètement, avec précaution hein, pour ne pas alerter le quartier, je tapais au rideau de fer. Ah, il y a quelqu'un, c'est JP. Et puis, j'entends la voix de sa mère qui me répond. Il y a du monde dans la rue. Pour un chat que je lui dis. Bouge pas, je t'ouvre. Alors Gunther a levé la tête pour me regarder. Je crois qu'il m'a souri. Le rideau de fer s'est alors ouvert. Putain, ce que je voyais alors, bah, c'était pas un mirage. Derrière moi et tous les copains étaient là, sous mes yeux, à leur place habituelle. Ouais, JP, il manquait plus que toi, m'a dit Polo en levant son verre de blanc à côté au comptoir, la casquette visée au front. Ouais, salut JP. Ça sentait le renfermé, mais aussi la fraternité. La vie normale, quoi, la vie d'avant. Un goût de tort était radieux. Il n'avait jamais vu autant de monde dans sa vie et il sentait pousser des ailes. C'est à toi le clébard. Et le chien, il passait de table en table, cherchant la caresse. Mais non, il a Tata Rosa. Il avait même réussi à se faire offrir des vieux falafels par François. Il est paralysé.
Mais non, 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 mais non, il n'est pas paralysé, il s'entraîne pour le 3 athlée du coup de l'Arc de Triomphe, du con. Puis donne-lui pas à manger, putain, il a la digestion difficile à ce qu'il paraît. Ils sont confinés ici, me dit Samir, à l'oreille, en servant une mousse. Deux jours après la fermeture, ils étaient tous dingues, hein. Ils insistaient pour que j'ouvre malgré l'interdiction, et ils se relayaient pour téléphoner, c'était l'enfer. Tonio m'a fait du chantage au suicide en me jurant qu'il lécherait les barres de métro. Je vais faire quoi, moi? Les laisser moisir chez eux, là. Putain, j'ai eu beau leur dire qu'ils allaient peut-être se refiler le virus, et ils préféraient crever entre eux ici que seuls ailleurs. Alors ça fait deux jours que j'ouvre en loose day à 9h du mat pour le café croissant, puis je ferme à 19h. Moi, j'aurais fait promettre de ne voir personne d'autre que nous. Hein. Le midi, on fait auberge espagnole. Et ça sent bizarre, tu trouves pas? C'est vrai que ça sentait pas bon. Alors, Gunther, revenu à mes pieds, venait de lâcher un vent, mais phénoménalement puant, quoi. Putain, non, JP, surveille ton chien, quoi, me dit Max en balançant à 10 de l'air. Et Gunther péta de renouveau. Putain, JP, fous-le dehors! Dirent tous dans le même élan d'indignation et de dégoût. Je suis pas délicat, mais c'est vrai que c'était franchement intenable. Alors j'ai sorti Gunther, j'ai attaché un poteau. Sois sage, je bois un canon et je te ramène chez Tata. Et là, je crois qu'il m'a souri. Enfin, non. J'en suis sûr. En confinement, comment dire, les odeurs restent longtemps. Hein. Alors, Gunther avait marqué son passage à la chope. Hein. Putain, c'est vrai, cette salaud, il est mignon ce chien, m'avait dit François. Oui, oui, François, il est mignon, mais c'est pas le problème. Sinon, ça va la petite santé que je lui demande? Ah, c'est dur la dépression, dit François. Odor rigole, mais ça fait mal. C'est comme si on était confinés dans sa tête. C'est bien la chimie, hein. Vous devriez essayer, hein. Alors j'ai repris un verre. Jeannot, il vient me voir. Dis donc. C'est que tu connais comment elle va, Tata Rosa? Putain, tu la connais, j'étais sur le cul, moi. Ben ouais, disons que je l'ai bien connue, qu'il me dit. C'est un beau brin de fille. Je l'ai connue en 62. Elle avait 19 ans. Moi aussi. Elle sillonnait le quartier de maison en maison avec une machine à laver, une ladène, posée sur un diable pour aider les prolos. Un jour, elle est passée chez nous. Ma mère bossait, j'étais seul. Alors j'ai aidé Rosa à installer l'engin dans la cuisine. J'ai mis le linge de la famille. On admirait la machine tourner, mais du coin de l'œil, on se matait. C'était magique. D'un même élan, on s'est embrassé, on s'est enlacé. Rosa s'est assise sur l'engin et on a perdu notre virginité pendant le programme essorage. Elle est revenue souvent, hein. La famille avait le linge le plus propre du quartier. Elle adhérait déjà à la vulgate communiste. Alors moi, j'étais plutôt macno, la mémoire des vaincus. On faisait l'amour et on parlait politique. Puis elle est partie à la palisse pour devenir institutrice. On s'est perdu de vue. Pourtant, elle n'avait jamais quitté mon palpitant. On s'est recroisés en 80 à la fête de l'Huma, à la sortie du concert de Réchal. On avait fait dédicacer l'affiche par Wolinski. On avait picolé au stand du Pas-de-Calais. J'ai voulu l'embrasser, mais de sa main, elle a écarté ma bouche, me disant avec un accent l'Arletti, « Arrête, ça ira nulle part. » Bon, c'est dommage. J'y serais bien allé avec elle. Nulle part, c'était déjà mieux que là où j'étais. On ne s'est jamais revus. Si, à part une fois, à la caisse du Sédico, elle était revenue dans le quartier et était bénévole pour le Secours Populaire. Jeannot a fait une pause. Il a poussé un profond soupir qui venait de tellement loin, de tellement longtemps. Alors, comment elle va, Rosa? Bah, elle s'embrouille un peu, elle a les méninges qui s'embrouillent, et puis elle sort plus de chez elle, mais ça va. Et puis, elle a Gunther, tu devrais passer la voir.
Fred est entré avec son violon sur l'épaule. Ah putain, bon Dieu, mais ça renifle ici, hein. Faut ouvrir de temps en temps, hein. Ça serait pas du luxe. Un truc me tarabustait. Elle en cachait des choses, Tata Rosa. Comme tous les vieux qui ne prêtent plus la peine de se raconter pour pas gonfler la jeunesse avec l'avant. Bon, c'est normal. C'est loin l'avant, c'est fini, rien à faire. Le mieux, c'était le jour présent avec mes copains de la chope. En ce mois de mars 2020, Tono et Damien parlaient raki albanais avec Clémence qui s'en foutait. Sergio, l'air idiot du mec amoureux, avait réussi à intéresser Camille en lui parlant de synergologie. Puis moi, je l'ai pas traîné. Tata Rosa attendait avec impatience Gunther et j'avais plein de questions à lui poser. J'avais sous la main une bibliothèque à laquelle je ne m'étais jamais intéressé. Fallait rattraper le temps perdu. À demain que j'ai dit. Sa mère, Samir, a soulevé le rideau de fer. J'ai mis le nez dehors. Et merde. Gunther avait disparu. Préfecture du quartier, hein, mais pas de Gunther. Nada. J'étais alors rentré à la maison mère. Samir m'avait resservi un lit, les copains étaient autour de moi. J'ai appelé Tata Rosa. Bon, j'étais pas fier. Hein. Ouais, c'est JP, j'ai un problème avec Gunther, mais t'inquiète pas, hein. Il va bien, il pète la forme, dit Paulo. Les copains, ils riaient comme des baleines, c'était vraiment con. Quoi. Non, mais il va bien, non, c'est juste qu'il a une route cassée, enfin, il marche beaucoup moins bien, quoi. Enfin, il roule plus, quoi, mais je voudrais réparer Gunther, hein, mais c'est difficile de trouver les pièces, hein, mais je te le ramène demain. Non, j'ai pas de croquettes, mais ça ira. Mais ouais, bien sûr qu'il te réclame. Mais oui, on fait des câlins et puis j'ai une babale. On rigole bien. Allez, bisous, tata. Putain, j'avais été, mais minable. Alors, je suis monté sur une table au milieu du troquet. Fred a pris son violon et a commencé à jouer la sonate pour violon seul, Mélodia de Bartok. Ces notes étaient comme un chant d'oiseau qui emplissait la pièce d'une tristesse solennelle et religieuse. J'ai alors parlé le plus dignement possible. Mes amis, je suis dans une merde totale. Alors j'ai laissé un blanc, hein, en les regardant bien droit dans les yeux, un par un. Gunther est parti, il erre je ne sais où. Je vous demande de la solidarité envers Tata Rosa, envers Gunther, envers moi. C'est l'état de guerre, je sais. En ces temps difficiles, je voudrais que vous sortiez de votre zone de confort et que vous m'aidiez à le retrouver, quitte à prendre des risques. Il y eut un long silence. Un très long silence. Mais, j'avais assuré. Ah, moi, je veux bien, dit Sergio, hein, en l'orient du coin de l'œil Camille. Ah, moi aussi, je veux bien, par respect pour Rosa, hein, dit Jeannot. Alors, Polo était d'accord, en échange d'une bouteille de son cerf-blanc. Emma proposait de faire une recherche avec son pendule. On s'est reparti les directions. On s'est souhaité bonne chance en se promettant de s'appeler régulièrement. Ouais, c'est sûr, c'est beau l'amitié. Hein. Mais il faut dire aussi que pour les copains, il se passait enfin quelque chose, et ça, c'est pas négligeable. J'avais à peine quitté la shop en criant « Gunther !» qu'une voiture de police s'est arrêtée à mes côtés. Votre attestation, s'il vous plaît. Et là, je sentais la soirée pourrie. Alors, j'ai pris mon air le plus aimable possible, parce que ça, je sais bien faire le médecin, par exemple. Je devrais faire acteur. Alors, monsieur l'agent, c'est compliqué, là. Alors j'ai perdu mon chien, ou plutôt celui de ma tante, parce que je le promenais, puis sans prévenir, il est parti comme ça en courant, alors surpris, j'ai lâché la laisse, et puis depuis je le cherche. Mais le flic, il rigolait pas. Enfin, je crois pas, parce qu'il avait un masque.
Et il ressemble à quoi? Ah bah c'est un petit bulldog, quoi. Et il a un signe particulier. Ouais, un petit, enfin, il a des roulettes, quoi. Et puis le flic me dévisagea, attendant la suite. Oui, monsieur l'agent, il fait de la myélopathie, il est paralysé, quoi. Et il est parti en courant. Il était franchement inquisiteur, le flic. Bah oui, parce que il est très rapide, en fait, des pattes avant, quoi. En handisport pour chien, bah, il gagnerait des concours, hein. Mais chantez la sanction arrivée, là. J'analyse ce que vous dites, mais ce n'est pas très rationnel, tout ça, me dit le policier. Monsieur l'agent, l'analyse et la rationalité mènent bien moins loin que la poésie, la musique et l'amour, n'est-ce pas? Putain, ça m'était venu comme ça. Et puis lui, je l'ai senti penaud d'un coup. Ah ouais, vous avez raison, monsieur, me dit-il, hein. Plus on pense de façon, plus on pense de façon objective, moins on existe, disait Kierkegaard. Bon courage. Il est remonté dans sa voiture, puis il est parti en faisant un signe de la main. La période était décidément bien étrange. La ville était comme une peinture de Chiricot. Personne. Et pas l'ombre de Gunther. Alors moi, j'imaginais le pire. Gunther en fourrière, ou agonisant sous un porche, Gunther suivant un inconnu en échange de croquettes. Pauvre Klebs. Sergio m'a laissé un message. J'ai pensé à un truc, tu as dû lui en faire un pas clair, il a rien compris, il s'est senti mal aimé, il est parti, les chiens c'est comme les gens, c'est sensible, tu en penses quoi? Alors, je pensais à rien, hein. Nada, il est où ce chien? Putain, j'approchais de la plage Louise Michel, quand je reçus un message de Polo, ton clébard, il a pas pu s'envoler, t'inquiète, il a du flair, au fait, un reuilly fera l'affaire, c'est bon aussi le reuilly. À vrai dire, je me sentais vraiment seul. Alors, c'était sans compter le SMS d'Emma. J'ai trouvé Gunther. Mon pendule me dit qu'il a 15 mètres d'altitude. Il a sous les yeux une étendue d'eau et une île sous des palmiers. C'est incroyable. I'm so excited. Ça sentait la débâcle quand même. Enfin, on a les copains qu'on mérite. Alors, quant à Jeannot, il me promettait de racheter un chien à Tata Rosa si Gunther était incroyable. Introuvable. Alors, j'ai continué à chercher. Il y avait une belle lumière en fin d'après-midi, la shop était fermée. J'ai recroisé la voiture du flic qui me dit « Ouais, la poésie, la musique et l'amour, oh les cœurs, et vive les chiens !» Moi, je pense qu'il était complètement con, ce flic. Enfin, moi, j'étais en vrac. Alors, je suis rentré à la casa, lourd, très lourd, triste comme un pou. Elle est petite, ma casa. La fenêtre donne sur une cour devant chez Marilyn Sheep. Elle s'appelle Cédric aussi. Hein. Il est travesti dans un cabaret. Alors, je la vois parfois se maquiller en écoutant Red Jenny ou Starmania. On se connaît peu. Bonjour, bonsoir. Hein. Il faut croire que ça me suffit. Entre-temps, j'avais reçu des messages. C'est Sergio. Je bois un verre avec Camille. On rigole bien, on pense à toi. T'as vraiment balèze, le mec. Emma. Alors, je vois un chiffre. 0666. Je ne lâche rien. Putain, je déteste cette expression. On ne lâche rien. Je déteste. Polo. Plutôt un pouilly. C'est bon aussi, le pouilly. Jeannot, j'ai un copain qui a un Rottweiler à donner, un brave chien a priori, plein de tendresse, ça te dit. T'as une tribu de bras cassés, quoi. Des gentils branlaillons, quoi. Alors je suis ressorti, il faisait nuit. J'ai erré au hasard à la recherche de Gunther sans y croire. Et dans une rue sombre, sans issue, que je n'avais jamais empruntée, une fenêtre au troisième étage était éclairée. Il s'en échappait des aboiements. J'aurais reconnu entre mille, c'était Gunther.
Alors j'ai tapé le premier code qui m'était venu, hein, 0666. Et la porte s'est ouverte. Donnant sur un long couloir de marbre de Carrare, orné de statues de Vénus dénudées. Seuls des drapés finement sculptés cachaient leur intimité, quelques candélabres de bronze baroque éclairaient l'endroit. J'empruntais l'escalier monumental au mur tapissé de tableaux d'hommes et de femmes richement parés, dont les traits semblaient identiques et semblaient indiquer qu'ils étaient d'une même lignée. Deux nègres en bois d'ébène portant flambeaux m'accueillirent dans un salon où seule la lumière ocre des tentures orientales permettait de distinguer une porte sculptée d'animaux exotiques. J'en tournai la poignée. Je distinguais par l'entrebâillement François en peignoir blanc, nonchalamment assis dans un fauteuil aux accoudoirs nacrés caressant Gunther à ses pieds. Ce dernier regardait un écran géant qui diffusait l'émission Koh-Lanta. François tournait la tête vers moi comme s'il m'attendait. Ben viens donc, fais comme chez toi. Hein. Un Steinway noir trônait au milieu. Gunther adore cette émission, me dit-il. Putain, c'est chez toi ici, bah mon vieux, putain, je t'imaginais pas vivant dans un endroit pareil. Et là, François me dit, bah, je m'en rends pas. Hein. J'ai un putain de complexe de classe, mais à l'envers. Hein. Le prolo me tétanise, hein. Il me fout la nausée, une culpabilité de jeune fille. Hein. Je suis un enfoiré d'héritier. Et tu sais comment mon grand-père a déposé le brevet du moteur électrique de la machine à laver. À chaque fois qu'on en vend une, bingo, l'argent tombe. Et comme ça, ben, sans rien foutre. Mais confinement ou pas, qu'est-ce que je m'emmerde? T'as une machine à laver, toi? Bah non, que je lui dis. Ah bah tant mieux, hein, je me sens moins redevable. Puis je pensais à Tata Rosa, ses 19 ans, au trait de misère qu'elle aidait, tandis que le char niflait mon pantalon. Bon, enfin, j'étais quand même furax, hein. Mais j'étais même bien remonté. Hein. Putain, mais qu'est-ce que Gunther fout là? Ça fait 2 heures que je le cherche. Hein. Les autres aussi, on est sans dessus-dessous, on vit plus, on se met la rate au courbouillon, puis toi, tu câlines Médor. Hein. Et très calmement, François me dit en souriant, il a l'air malheureux là. J'ai pas le droit d'un peu de tendresse. J'ai pas le droit de prendre soin de quelqu'un pendant quelques heures qui va me remercier en me léchant la main. C'est trop demandé. Bah, j'étais gêné. Ben bien sûr que non, mais enfin putain, Tata Rosa. Elle sent que j'ai pu finir ma phrase. François s'est assis toujours souriant et devant le piano, il a fait résonner un accord en chantant Do, Fa dièse. Tu la sens l'intention musicale là? Diabolo, c'est musica. C'est universel, mon pote, universel. La musique, la poésie, l'amour. Ben, j'ai finalement tout ce qu'il me faut ici. Hein. J'avais, comme tu dirais, un gros doute. Hein. Il s'est relevé et me dit « Tu veux combien pour Gunther ?» Putain, c'était à pleurer. Quoi. Alors, j'ai pris le chat dans mes bras, mais putain, mais il n'est pas à vendre, il n'est même pas à moi. Puis il s'est remis au piano. Ah, je n'ai pas jeté toute la ville, mais même pas un vieux chien handicapé. Puis il s'est marré. Mais moi, faut pas me la faire. C'est un rire de désespéré qui s'écrase comme un mégot, piteux, pas franc du collier. Moi, je connais bien ce genre de rire. Non, écoute, François, demain, si tu veux, je t'amène à le Rottweiler de Jeannot. Tu vas voir, il te léchera la main aussi, puis il pètera moins. Et c'est précisément ce que fit Gunther pour dire au revoir. Alors, sans se retourner, François m'interpella. Eh, ça reste entre nous, hein, tout ça, je te fais confiance. Bah, il pouvait. Je regagnais au plus vite ma casa. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, hein, mon Gunther? Et toi, ça gaze? Il me lécha le nez et me répondit d'un prout. Encore un, bien sonore, bien joyeux. La joie de me retrouver, sans doute, enfin c'est ce que je me suis dit. Quel con, François. Il allait me le réveiller, le chien noir qui sommeille. Putain de riche.
ma casa, la gueule déconfite, le moral en berne, ben François m'avait miné pour la soirée. Hein. Dans l'escalier, Gunther dans les bras, j'ai croisé Marilyn Chip. Elle était très classe ce soir-là, ressemblant à la Laura d'Otto Preminger. Oh, bonsoir, qu'il est mignon, me dit-elle en caressant Clef, ce qui fait crier de la queue devant tant de sollicitude. J'attirais vraiment la bienveillance avec ce Clef. Gunther péta, et Marilyn s'extasia. Oh, le petit cochon, il a fait un gros pétou. Puis, me regardant très circonspecte, elle ajouta, mais il mange bien. Alors, franchement, cette conversation commençait à me lasser. Mais je suis poli, hein. Et vous, comment ça va? Que je lui dis, en fait, je m'en foutais complètement. Ben, comme tout le monde, c'est dur en ce moment, dans le bâtiment. Vous avez l'air troublé, il y a quelque chose qui cloche. Ben, parce que je suis Cédric dans la journée, Grutier dans la journée, et Marilyn Chip, c'est le soir. Il y a un problème? Alors, sans avoir le temps de répondre, elle me dit, j'ai un reste de chili, on va le manger tous les trois, ça vous tente? Alors, j'avais la dalle, hein. Je voulais oublier la solitude de François, mais je faisais remarquer que pour Gunther, bah, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Bah, on va pas faire de manière, hein. Allez-vous, je ferai chauffer, installez-vous. Assis sur le canapé, pendant qu'elle préparait le repas, bah, j'envoyais un SMS au copain, Gunther retrouvé, à demain matin. Elle était chouette, Marilyn. C'est con comme on passe à côté de gens formidables par manque de temps ou d'envie. Hein. Ah, j'en avais ouvert des portes, hein, depuis ce confinement. Hein. C'était pas croyable. Et puis en mangeant, ben, Marilyn me parla d'elle, de son désir de chanter un jour chez Madame Arthur, les crachats et les baves dans la gueule certains soirs, et puis sa fille infirmière, sa mère Alzheimer, son père banquier qui ne voulait plus l'avoir, sa passion pour Sylvia Plath, puis son amour secret pour le gardien de nuit du Mercure. Elle balançait sa solitude avec humour, sans apitoiement. Une vraie dure, Marilyn Chip. On picolait bien. On entamait le cognac en écoutant Manuel de Falla quand elle me dit « On t'a déjà dit que t'as une tronche de piaf tombée du nid ?»« Bah ouais, une fois. »« Bah raconte !» me dit-elle. « Ah ouais, moi je préférais pas. Hein. »« Mais c'est pas grave, on va faire un truc. Je vais te maquiller et on t'appellera Sweetie Birdie. » C'est fun, non? Moi, j'étais moyennement chaud. Enfin, il était 3h du matin, la journée avait été longue, elle insistait, l'odeur d'épée de Gunther se mélangeait aux nôtres, l'ambiance était vraiment bonne. Alors, je me laissais faire. Hein. Ouais, bouge pas, JP, je vais te faire le contouring, je vais sculpter ton visage, travailler les ombres et les lumières, je vais blend le foncé, blend le clair, puis les deux, jusqu'à ce qu'elle me brush, dessine mes yeux et me coiffe. Elle m'avait fait parler de moi. 3 heures plus tard, voyant ma tronche dans la glace, j'ai pensé à Brigitte Fontaine au saut du lit. Mais en mieux, peut-être. Le jour venait de se lever, j'étais crevé mais détendu. J'avais retrouvé le chien, j'avais une nouvelle copine. Elle me dit, alors, Sweetie Birdie, tu vas faire quoi maintenant? Eh ben, il va redevenir JP, roupiller 2 heures, filer à la chope avec le Klebs pour le café, puis aller voir Tata Rosa. C'était la fin du feuilleton, pas trop tôt. Au même instant, une voiture de flic quittait le commissariat central. Mais ça, ben, je l'ignorais. Il y avait même le gyrophare. Et je voyais les copains sur le trottoir devant la chope, la gueule défaite. Alors Samir gesticulait devant un flic qui parlait fort. 2 autres pandores faisaient les chiens de garde prêts à bondir. Polo gueulait « Police partout, justice nulle part !» Et Jeannot arrivait au bout de la rue avec un Rottweiler, mais mouse. Alors Sergio venait vers moi en courant et puis me dit « Ouais, mais je vais parler à la police de la notion de liberté individuelle, de Durkheim, de Milgram. Mais putain, t'as quoi sur la tronche, ton rimel il a coulé ?» Putain, je m'étais même pas démaquillé, quoi. Putain, mais ta gueule, Sergio. C'est vrai que j'étais franchement un peu tendu, quoi.
Gunther avait hurlé à la mort. Durant 3 heures toute cette nuit où j'aurais pu dormir, j'avais des relents de cognac et puis un mal de crâne tenace. Alors on s'approcha tout doucement de l'attroupement, ça faisait un sacré raffut. Hein. Et Pierre Poulor mettait une courche. Tout le monde déteste la police. C'est vrai qu'il faut dire que, point de vue argumentation, on était léger. Quoi. Et j'ai cru que Sergio allait se prendre une baffe en citant Foucault. Ça m'aurait fait plaisir. Tout le monde se mit à gueuler quand un flic bouscula Camille. Alors Gunther aboyait aussi, mais de rage contre le chien, contre, je suis perdu dans mon texte, bordel. Mais de rage quand le chien Jeannot, qui faisait les yeux doux au gradé en remuant la queue, à croire qu'il cherchait un job dans la brigade cinéphile. Cinéphile. Je vous l'ai prévenu, je n'ai jamais lu en public. Et là, on a entendu des sirènes, deux quarts de CRS arriver en trombe, genre cavalerie qui vient désinguer l'Indien. Putain, il n'était même pas 10 heures. Putain, la journée partait en vrille. Le pire n'est jamais décevant. Alors, voulant caler tout le monde, je m'approche du gradé, puis il me dit « Putain, mais je vous reconnais, vous avez retrouvé votre chien ?» Alors moi, j'ai tenté mon va-tout, naïf que j'étais. « Mais oui, monsieur l'agent, rappelez-vous la musique, la poésie, l'amour. Ah, mais grâce à vous, je relis Kierkegaard. Hein. Oui, oui, grâce à vous. » Mais il avait changé d'état d'esprit, hein, le flic. Hein. Et franchement, moins poète, quoi. C'était plus proche de l'image qu'on s'en fait des flics. Hein. « Circule la fiotte !» Ah, c'était du viril, hein, du bien couillu. Et là, j'ai pas eu le temps de l'insulter. Je me suis senti soulevé de 15 mètres au sol, puis assis sur une banquette en métal dans le fourgon. Alors, puis il y a Polo qui gueulait « CRS en colère, le pastis, il est trop cher !» Ta gueule. Et puis, alors, on avait recréé la chope hein, dans la bétaillère qui roulait à fond à travers la ville, hein, tous les 6, surveillés par les CRS, qui nous engueulaient comme des mômes. Bon, ils avaient pas tort, les Pandora, on se marrait, les copains et moi. Ah, pour être confinés, on l'était, là, confinés. Puis cela a pris toute sa mesure quand Gunther dégaza le chili de la nuit. Mais c'était mais immonde, immonde. Alors nous, on éclata de rire. Et puis on se faisait quand même du mouron pour Samir, on se sentait responsable. Et puis, c'était quoi l'avenir sans la chope? On ferait quoi de nos solitudes? Alors on s'est retrouvés en cellule, dans la cave du commissariat, tous ensemble, menottés aux banquettes en fer. Alors on jouait au con, provoquant les gardiens, mais en respectant la loi, bien sûr, et aussi l'autorité. Ah, on était fort à jeu-là. On ne refait pas les vieux anards. Même Gunther restait avec nous jusqu'au contrôle d'identité. Alors je fus accueilli assez froidement dans un bureau. « Ton nom, la Tarlouse !» me dit un flic à peine majeur. Alors je récitais mon pédigré, hein, et 3 heures après, j'étais sur le trottoir. Jeannot avait été épargné. Il attendait dans le commissariat avec le molosse qui reniflait le cul de Gunther. Allez, faut filer chez Tata Rosa, il attend le chien, que je lui dis. Puis Jeannot, il était agité. Et j'avais le trac de la revoir comme un rendez-vous après 30 ans de confinement qu'il me disait. Je lui ai ramené la fiche de Wolinski. C'est con, mais j'ai pas de fleurs. Moi, ouais, il était touchant. Vivant. Il avait 15 ans. Il était amoureux. Ouais, il était beau, le vieux. J'ai sonné à la porte de Tata. J'aurais dû entendre « Entrez !» J'ai ressonné. Toujours rien. Gunther hurlait à la mort. J'allais perdre mon rapport poétique à la vie, là. Je le sentais. Jeannot et moi avons attaché les chiens à la rambarde de l'escalier du perron et nous sommes entrés. Il nous a pas fallu longtemps pour trouver Tata Rosa, paisiblement allongée sur le carrelage de la cuisine dans une jolie robe à fleurs violettes, les yeux fermés devant sa table où l'attendait une assiette de museau vinaigrette que les mouches commençaient à squatter. Alors sans y croire une seconde, j'ai tapoté sur sa joue, « Hé, Rosa, Rosa !» Mais cela ne servait à rien. Le cœur avait bel et bien lâché. Jeannot était tétanisé, une main sur la bouche, et la fiche de Wolinski dans l'autre.
s'est rien dit. Il a pris sa veste qu'il a déposée sur le corps de Rosa. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'appeler les flics. L'idée de les recroiser m'enchantait moyennement. Jeannot s'était assis devant le museau de Vinaigrette, les yeux dans le vide, répétant « Putain, c'est pas juste. C'est pas juste. » Pendant que je faisais le 17, dehors, les deux clefs s'aboyaient méchamment. J'ai fait le tour des pièces de la maison. Pas beaucoup de choses sur les murs. Hein, une photo d'elle avec Georges Marchais. Une autre avec Gunther. Un groupe de gamins lors d'une sortie avec le Secours Populaire au parc Rigaud-Golland. Une aquarelle d'un bord de mer. Dans sa chambre, le lit était fait. Les draps sentaient bon la lavande. Sur la table de nuit, les raisins de la colère. Corné à la page 460. C'est en passant par la salle de bain pour effacer toute trace de Sweetie Birdie que les larmes sont venues, sans prévenir, en voyant la brosse à dents de Tata. La vie n'a décidément aucun sens. Les chiens s'énervaient dehors, ils devaient jouer ensemble, insensibles à la situation. Alors je suis revenu vers Jeannot, je lui ai posé la main sur l'épaule. Encore un rendez-vous de raté. C'est toute ma vie. Qu'il me dit en sanglotant. Je n'avais rien à répondre, rien. Alors j'ai cherché de quoi boire quelque chose, j'ai trouvé qu'une bouteille de gnôle, les verres qui vont avec, puis des crackers bon marché. Ça ne nous ferait pas de mal. On a trinqué à Rosa, puis à Rosa, puis à la chope, puis à Rosa, puis à chaque copain de la chope. On a refait le monde, quoi, et préparé celui de demain sans grandes illusions. Jeannot pleurait son amour définitivement perdu comme sa jeunesse. Pas de game over possible. Bah ouais, c'est comme ça. La bouteille finie, ce fut bien silencieux, j'entendais même plus les chiens. C'était presque inquiétant. Je suis sorti, franchement vacillant, ça attendait. Gunther a remué la queue en me voyant, la gueule sanguinolente. Le Rottweiler gisant à ses pieds, la langue pendante, la gorge ouverte. Ça faisait glou-glou. C'était moche. Alors j'allais engueuler le chien quand les flics sont arrivés. Une vraie scène de crime. Hein. La mare de sang du club dans l'escalier, le corps de Rosa dans la cuisine, Jeannot endormi, la tête dans le museau vinaigrette. Ça, c'était pas glorieux tout ça, quoi. La vie dans toute sa chiennerie, quoi. Putain, encore vous, me dit le goguenard, le gradé. Ça va, la poésie, la musique et l'amour. Alors pendant les constatations, j'en profitais pour vomir dans les hortensias. Et puis réveiller Jeannot, lui commander un taxi. Bah ouais, fallait être solidaire. Hein. Pas se regarder le nombril, affronter l'instant. C'est comme ça la vie. Putain, mais Gunther, qu'est-ce qui t'a pris de trucider ton frère de race? Et lui qui me dit « Putain, mais c'est un collabo. Il jouait les cadors, faut pas me faire chier, moi. Alors écoute-moi, JP, Tata est mort, je suis handicapé, j'ai besoin d'assistance, et puis je suis ton assurance-vie. Et ouais, mon pote. » Putain, comment ça? J'ai des flatulences antivirales. Scène conventionnée d'intérêt national. Là où je passe, le Covid trépasse. Là où je pète, on fait la fête. On va bien se marrer tous les deux. Bah alors son discours me paraissait assez cohérent. On a discuté une bonne heure, assis sur les marches, réglant les détails de notre future cohabitation, jusqu'à ce que les pompiers arrivent et emmènent Rosa. En rentrant dans le taxi, Jeannot m'avait dit « La vie n'est qu'un sandwich à la merde. » Ouais. Je corroborais.
Marilyn, c'est JP, je peux rentrer? Bah évidemment qu'il pouvait rentrer. JP et moi, on était potes maintenant. JP s'assit sur le canapé à côté de moi comme une pauvre chose. Il a posé sa tête sur mon épaule, puis il a pleuré. Comme un gosse. Ça va aller, que je lui disais. Mais ça coulait de ses yeux. Sans s'arrêter, entre deux sanglots, il répétait putain, mais je l'aime pas ce monde, je l'aime pas ce monde. Vas-y, pleure, que je lui disais, et puis cela repartait de plus belle, comme si je lui avais donné l'autorisation de lâcher prise. Il le faisait. Plus d'amour propre. Plus de feu d'artifice dans les yeux, ni même dans le cœur. Il bandait plus à la vie, JP. Eh bien, le piège qui est tombé du Nil, un gros chagrin. J'avais un enfant dans les bras. Un enfant qui pleure, un enfant qui ne trouve pas les mots parce qu'il les avait probablement pas. Je pouvais pas le laisser comme ça. Tu vas venir avec moi, on va sortir, je vais te déconfiner la tête. Pour aller où, qu'il me dit, JP? Au ciel. Ouais, je prends goûteur, on sait jamais ce qu'il me dit. Nous sommes sortis. JP disait rien, comme un boxeur sonné, traînant Gunther comme sa misère. Les rues étaient désertes jusqu'au chantier. Il fut facile de passer les barrières métalliques pour nous retrouver au milieu des engins de chantier en repos. JP était comme un zombie, absent. Nous nous sommes approchés de la grue, qui du haut de ses 40 mètres dominait le quartier. Et nous avons commencé à monter par l'échelle métallique. Et plus nous grimpions, plus JP se détendait. Ses yeux brillaient comme un gosse devant un nouveau jeu. En 5 minutes, nous étions dans la cabine de la grue à surplomber notre terrain de jeu journalier. Bordel de merde, Cédric, t'es un cador, Marilyn, t'es une fée. Pas un bruit, juste celui des oiseaux. Le soleil de 19h dorait les toits, de là-haut nous voyions les rues vides, parcourues par nos potes comme des minuscules Pac-Man qui forcément se croiseraient prochainement à la chute. Emma remontait le boulevard, Tonio démarrait sa moto, Camille prenait son vélo, Polo sortait du caviste roumain, Jeannot traînait sa mélancolie, Damien allait courir, François sortait du lit. Tout en bas de la grue, Gunther roupillait. Mais d'un œil, je pense. Marilyn, me dit JP, je vais te faire l'oiseau tomber du nid. Et il sortit de la cabine et, tel un funambule, monta sur les bras de levage de la grue. Il marchait sur la poutrelle, s'accrochant maladroitement aux barres métalliques au-dessus du vide. Arrête, putain, JP, fais pas le con. Mais ça faisait marrer, ce crétin. Et regarde, qu'il me disait. Il lâchait une main, puis l'autre, se penchait dangereusement, esquivait des pas de danse ridicules, mimant l'équilibriste. À quoi se rétamer vite fait sans plancher. Il fit un selfie en grimaçant et hurla « Regarde, je suis Sweetie Burly, Birdie, j'arrive les amis, banzai !» Camille descendit de son vélo, leva les yeux effarés et cria « Putain, JP, je te préviens, je te ramasse pas, c'est fini les conneries !» Gunther se réveilla et engueula JP, comprenant bien que la situation. Les copains arrivent en courant. Ça dura bien 10 minutes. Des minutes qui semblèrent des heures. Alors, comme exsangue, vidé de toute force, abruti de lui-même et sonné de tant de bruit et d'agitation, calmement, au ralenti, il s'assit, les jambes dans le vide. Puis lentement, minutieusement, il se releva une cigarette, puis la fuma. Il a savouré sa clope. Hein. Regardant du haut de la grue la ville silencieuse, puis il hurla à l'assemblée pétrifiée. Putain, mais qu'est-ce que vous croyez, vous êtes cons ou quoi? Moi, je la nique, la mort. Puis il est revenu à la cabine. Le calme après la tempête. Il disait plus rien. Moi non plus. J'attendais. Tout passe, qu'il me dit. Et ouais, tout passe. Il faut juste être patient.
T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Bah, si tu le dis. Nous avons regardé le soleil se coucher. Il a fait une photo du ciel orangé. Nous avons attendu les étoiles. Et quand elles se sont montrées, bah, nous sommes redescendus sur Terre.